Bonsoir à toutes et à tous, c'est Dexter, de retour aujourd'hui, ce soir, pour mon émission consacrée au point and click. Donc j'ai décidé de commencer la saison, va-t-on dire, avec The Blackwell Legacy, donc The Blackwell Series, que j'ai découvert pendant l'été. Je vous remercie d'ailleurs, Ashtray de m'avoir offert le bundle. Voilà. On va lancer le jeu tout bêtement. Oui, je prends 2 mois de vacances, je sais plus comment ça fonctionne. Alors, tic-tac. Donc, The Blackwell Legacy, un jeu par le studio Watched Aids Game. Wadjet A Games. Point and Click sorti en 2006, donc décembre 2006 pour la première release. Il est disponible depuis 2012 sur Steam. Je saurais pas vous dire la date, mais voilà. Donc le jeu est le premier d'une série de 5 jeux. Donc on retrouve derrière, toujours avec The Blackwell, donc The Blackwell Unbound, The Blackwell Convergence, The Blackwell Deception, et le dernier épisode, donc The Blackwell Epiphany. Voilà, ce sont des jeux tous très courts. Bon, par contre, détail que j'avais oublié, mais les jeux sont seulement en anglais. Mais bon, c'est de l'anglais assez sommaire, c'est vraiment simple à comprendre. Donc on va lancer une nouvelle partie. Alors, on nous propose premièrement de si on veut activer ou non le tutoriel. Donc on va mettre oui, histoire de voir comment ça fonctionne. Donc note pour en plus des instructions sur l'écran, vous pouvez voir les instructions en cliquant sur le bouton Help dans le menu Options. Donc jour 1, premier jour. Donc on retrouve donc notre héroïne qui s'appelle Rosangela Blackwell So, I guess this is sur un it. pont Years of avec une urne watching and funéraire. waiting and hoping, and it comes down to this. Do I love you? Do I miss you? Donc voilà, elle I don't know for s'interroge, sure. I elle hardly parle en know fait à you, sa tante but you're the défunte qui se closest thing trouve to dans family l'urne, I've got, and I suppose that's qu'elle a something. très peu connue. Goodbye, auntie. Donc voilà, elle lui dit, on s'est pas très bien connu, c'est la fin, t'es There we are. morte, tant pis où tu sois. Donc elle la jette d'un pont et se barre. Donc le jeu, pour revenir sur le nom, donc The Blackwell Legacy, qui veut dire l'héritage des Blackwell. Donc Blackwell, voilà, c'est la famille Blackwell, donc représentée ici par Rosangela. Et on va justement découvrir dans ce premier jeu en quoi consiste cet héritage, quel est cet héritage. Donc le jeu a été créé, du moins créé, produit, dirigé par Dave Gilbert, qui pour faire du point and click porte un super nom, parce que voilà, Gilbert, comme son homologue Well, honey, at Ron, least I'm home now. c'est vraiment un super nom quoi pour faire du point and click. Alors, interagir avec les objets. Pour interagir avec un objet ou un personnage, déplacez la souris sur lui et faites un clic gauche. Voilà, très basique. Donc là, on nous dit, voilà, on nous présente le début du jeu. Il y a un enfant étrange qui se tient devant la porte de chez Rosa. Essayez d'interagir avec lui pour voir ce qu'il veut. Donc voilà, un gameplay tout à fait sommaire. On a, comme dans beaucoup de point and click des années 90, donc notre curseur qui nous dit les objets avec lesquels on peut interagir. En haut de l'écran, on a ce qui nous sert d'inventaire. Donc là, par exemple, j'ai une lettre. Voilà, clic gauche, je m'en sers. Clic droit, je peux le visualiser. Donc ici, on a une lettre donc du docteur
Donald Canton, Donald Canton, donc de l'hôpital Bellevue à New York, qui nous dit que voilà, que c'était le médecin en charge de sa tante, et que voilà, bon, il nous donne ses condoléances parce qu'elle est morte, et il nous dit que si on veut lui rendre visite, eh ben il n'y a pas de problème. Donc on ira faire un tour à l'hôpital plus tard. Hop, exit ici. Donc on va parler et en bas de l'écran, ici, on aura en fait ce qui servira de... On a quoi en bas de l'écran? Je sais plus si on a un truc en bas de l'écran. Ce serait beaucoup de place perdue. Bon, on va parler à cet adolescent, ce teenager, qui fume. Hi there. Hi. Salut. Alors, à qui rendez-vous visite aujourd'hui? Voilà, alors en fait, ce jeune garde la porte. Et voilà, si, en bas, on a donc les dialogues, bien sûr. Donc là, pas de phrases, juste des expressions. Alors voilà, exprimer la surprise, se moquer, poser une question. Ouais, ça doit être ça. What are you talking about? Mais de quoi parles-tu? I live here. Voilà, elle lui dit qu'elle vit ici parce qu'il veut pas. En fait, il garde la truc et il veut pas la laisser rentrer parce qu'il la connaît pas. Alors qu'elle habite ici depuis 5 ans. Donc, le personnage de Rosangela, pour venir à elle, donc qui va être appelée Rosa pendant tout le jeu, son petit diminutif, elle est critique littéraire donc pour un petit journal qui s'appelle The Village A. Donc tout simplement parce qu'il se situe dans le quartier new-yorkais qui s'appelle The Village. Donc voilà, c'est le petit journal de quartier, le truc plus que local. Donc elle fait de la critique littéraire normalement pour ce journal. Mais on verra que par la suite on va lui demander de faire autre chose parce qu'il n'y a que elle de dispo. Please, I've had a really tough morning. I need to get home. Sorry lady, rules are rules. Donc le jeu est développé par une petite équipe, donc dirigée par Dave Gilbert. Et ils ont utilisé un truc que j'hésitais à présenter depuis quelques temps, mais que je trouve ça assez compliqué pour présenter ça. C'est donc un petit moteur de jeu gratuit. Donc c'est un freeware qui s'appelle Adventure Game Studio. Qui, de la même façon que... De la même façon que je sais pas quoi en fait. Est un moteur qui permet de créer directement ses points and click. I've lived here for 5 years. Then how come I've never seen you before? I have no idea. Doesn't matter. If you lived here, I'd know you. That's all there is to it. Voilà. Donc, il veut pas nous croire qu'on habite là. Who the hell are you? Donc, il va nous demander poliment. Where's the regular doorman? Si, si, il reste poli, même s'il est un peu hautain, ce jeune homme, de prouver qu'on habite ici. Alors, je viens de voir qu'il y a eu un flot de messages sur mon truc, mais j'ai très mal placé ma fenêtre de jeu. Ça va couper le son, 2 secondes. Ou pas. Ah, c'est fabuleux. Alors... Qu'est-ce qu'il y a un spectateur palisté qui t'écoute aussi, mon chat, yo, le grand retour, le chat s'affiche pas, hello. Donc le chat s'est affiché tout d'un coup, c'est génial. Alors, on va lui donner notre adresse pour lui dire, ouais, on habite ici, j'habite au 3e, ah non, au 4e, pardon. Voilà, il croit que l'appartement est vide. Cette locataire est tellement bruyante et casse-pied avec ses voisins. Maybe you're telling the truth. He sees reason, thank God. You have any ID, a driver's license or something? Yes. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais le live sera peut-être assez court ce soir étant donné que le jeu n'est pas bien long. Come on, this is New York. Who actually drives? True, but I still can't let you in unless you prove you live here. Faut pour profiter du jeu, il faut vraiment l'avoir dans sa totalité, donc les 5 épisodes, parce que sinon on a l'impression d'avoir perdu
Bon, pas perdu, mais c'est extrêmement court et c'est pas génial. I have my apartment key. Will that do? Sorry, no. That could be any key. Well, let's go upstairs and see if it works. And leave the door unattended? Can't do it. Sorry. On va le menacer. Out of my way. I'm going. Allez, dégage. Je rentre. Why? Are you going to stop me? Me? No. But I've got a cell phone in my pocket with 911 programmed in. All I have to do is hit send and the cops will be here in 5 minutes. Are you serious? Totally serious. C'est débile. I don't believe this. Elle veut rentrer chez elle et la menace d'appeler les flics. Donc, ça pourrait l'arranger, mais non. Faut vraiment aller se faire chier à chercher des gens pour... How long is this ah là là. Going to last? Donc en fait c'est parce que les gardiens d'appartement voilà sont en grève donc du coup ils gardent l'immeuble en attendant que le concierge revienne. Chiche Dexter, il faut qu'on crée notre point and click. Ok, mais tu fais les assets. C'est toi qui fais les sprites et les dessins parce que faut que ça ait de la gueule quoi. Avec ton esprit pour les énigmes, Paul de Bouc pour les graphismes, et moi pour ma présence et votre soutien moral en tout cas. Ouais. Ça devrait donner quelque chose. Who is this Nish? Voilà. Donc Nishanti Sharma, qui est ma voisine de palier et que je ne connais pas, alors que ça fait 5 ans que j'habite là. Bon. Un des points. Great, call her up. She's not here. Des points noirs du jeu, pour commencer, c'est ces dialogues, qui ont tendance parfois à s'éterniser un peu. Ça a été critiqué par les professionnels et tout, les dialogues sont très passifs, en plus ils sont en anglais. Donc laisse-moi être direct. Tu veux que j'aille au parc pour trouver une meuf qui pourrait être là et que si elle me reconnaît, tu me laisseras entrer. Putain. En gros, elle peut pas rentrer chez elle à cause d'un petit con. Ça fait longtemps qu'il aurait bouffé sa cigarette, moi. Ah là. Ok, donc du coup, on va aller au parc chercher une vieille indienne qui promène son chien. Alors, activez la barre d'inventaire. Rosa est en train de transporter quelque chose. Voyons voir ce que c'est. Pour activer l'inventaire, déplacez votre souris vers le haut de l'écran. Voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a regardé la lettre. Hop, on s'en fout, blablabla. Donc, on va aller au parc. Donc, on se sort de l'écran, comme dans beaucoup de jeux. Et on arrive sur un écran de... une fabuleuse carte qui nous donne les endroits où on peut aller. Donc du coup, j'ai la lettre. Alors, avant d'entrer chez moi, tiens, je vais aller à l'hôpital psychiatrique Bellevue, où était internée ma tante avant de mourir. Ah oui, un point sur les musiques aussi, parce qu'elles sont sympas. Donc les musiques ont toutes été composées sur ce premier épisode par Peter Gresser. À partir du... de l'épisode 2, donc jusqu'au 5e, les musiques seront, elles, par contre, composées et arrangées par Thomas Rennin. Je crois que c'est Rennin. Ouais. Mais tous les deux ont fait du très bon travail, je trouve. Quand on va parler aux gardes, et lui demander à voir le docteur Quentin, vu que... Quentin? I've got this letter right here. Okay. Looks legit. Go right in. His name's on the door, you can't miss it. Thanks. Donc, on verra si c'est le gardien le plus débile de la Terre, parce qu'on lui donne notre nom, on lui donne plein de trucs, et... Come in. Et après, on revient en lui disant yes. Qu'on est quelqu'un d'autre, et I'm il fait ok, ok. Oh, hello. Come in. You got my letter, I trust. Yes, I did. Good. T'as eu ma lettre, ouais, je l'ai eu. Voilà, c'est condoléances. On va rester poli. Voilà, parce qu'il a dit que c'était notre mère alors que c'était notre tante. Yes, I did. But before we go into that, how are you holding up?
Bon, on va pas se plaindre, on n'est pas là pour ça. On va lui donner la réponse qu'il attend, voilà. Ça va, c'est cool. Voilà, il lui demande s'il a reçu les cendres. Elle lui dit oui, je les ai dispersées ce matin. Ouais, donc il demande si ça va bien et tout, et du coup, comme elle a très peu connu sa tante, étant donné qu'elle a été à la mort de ses parents, donc ses parents qui sont morts dans un accident de voiture, elle a été confiée à sa tante, mais sa tante a très vite été internée, donc elle a très peu connu. Et le peu qu'elle en a connu, c'était une personne catatonique, voilà, c'est pas le truc... I don't see why it's any business of yours. It's all right. Forget I asked. I wanted to come. I came. That's all. Ouais, j'aime pas les psys. Dégage. What do you want me to say? Auntie's dead. Life goes. Voilà, il pose plein de questions sur sa vie pour savoir si elle va bien. Yes. Keep writing your little book reviews in the paper, right? You know about those? It's hardly a secret. Parce qu'en fait, il a. Il essaye de voir, de la diagnostiquer aussi, parce que sa grand-mère est tombée folle, sa tante est tombée folle. Donc il se demande s'il n'y a pas des risques avec elle, donc voilà. Oh. Their intentions were purely benign, I assure you. It was your aunt they were primarily interested in. They wanted to know more about her family, and you proved to be, shall we say, less than eager to comply. That's their problem. Indeed. It was your choice to make. Your aunt was an interesting case. And now that she's gone, I was hoping you'd be more forthcoming with me. Just an informal chat. We can discuss her condition. And yours too, of course. Voilà, il veut parler de... De la condition... De la situation de sa tante et aussi de la mienne. Du moins, de celle de Rosa, du coup. You never could find out what was wrong with her, huh? Parce qu'ils ont jamais réussi à savoir ce qu'elle avait, pourquoi elle était. Fascinating. I don't understand. Elle était perturbée, va-t-on dire? Speak from a purely professional perspective. I didn't know your aunt personally. Neither did I, but fascinating. It might come as a surprise to you, but yes. But she was practically catatonic. All she did was lie there for 20 years. Voilà, pendant 20 ans, elle est restée catatonique. But I wouldn't call that fascinating. Well. As you know, ce qui est énorme, exactly catatonic. We kept her sedated. Right, she had outbursts. Yes, and ils l'ont gardée sous sédatif pendant 20 ans. C'est bien les hôpitaux psychiatriques, on sait pas te soigner, alors on te fout dans les vats et on te fout dans un placard. We are not a nursing home. We're not content. Je trouve ça génial comme principe. Keep a patient comfortable. We are, after all, in the healing profession. We were trying to heal your aunt, and to do that. Donc, le début, comme beaucoup de point and click, est un peu lent, je le dis à chaque fois, et je me répète. Mais voilà, on pose les bases, on pose l'histoire. On... En plus, là, étant donné que, quelque part, le premier jeu sert de début, bon, oui, c'est logique, sert de mise en situation de toute la série, mais il est vraiment très très lent. Wait, what do you mean by my condition? Donc voilà, là, elle lui demande pourquoi ma situation à moi, qu'est-ce qui se passe, et voilà, il lui explique que ça pourrait être héréditaire. Sorry, did you say hereditary? Yes. Donc elle s'inquiète un peu du coup, elle se dit ah là là, je vais devenir folle. My grandmother? Yes, Patricia, I think her name was, right? I never knew my grandmother. Auntie Lauren was it. There was nobody else. She couldn't exactly provide me with a family history. Oh, I see. I had no idea. Well, maybe you should have. Oh voilà, alors on apprend des trucs sur notre famille. No, you are correct. I should have read the family history more carefully. I do apologize. I just assumed. Well, never mind. It doesn't change the fact that you should be concerned as well. Ouais, il nous dit en gros qu'il faut qu'on fasse attention quand même parce que la grand-mère à 25 ans, elle est devenue folle. Sa tante à 40 ans a fait la même chose. Donc en gros, il lui dit attention, ça va être ton tour. Do you remember what brought your aunt here in the first place? Her screaming, her hitting herself. I was only 5 years old at the time, but I kind of remember.
In order to prevent her from doing harm to herself or to others, we were forced to sedate her. When we limited her medication, she simply reverted to her former state. Her natural state, I'm sorry to add. What did Auntie say? Nothing that made any sense. But one thing was clear. She was in great pain. Pain? What kind of pain? Non, là, quand elle n'était pas sous sédation. It was immense. Elle avait mal. When we reduced her medication, the transformation was dramatic. Her eyes flew open, she thrashed, her screams. Well, we had to gag her eventually. My God. I know. Did she still feel it? Ouais, donc elle a toujours connu sa tante sous sédatif, très calme, voilà, catatonique. Alors que quand il lui mettait pas de sédatif, en fait, elle devenait complètement folle. Elle hurlait, elle jurait. So, I had a grandmother. Apparently so. How do you know about her? It was in your aunt's case. Apparemment, sa grand-mère a fait la même chose. Patricia Blackwell. Donc pour le moment, j'ai pas grand-chose à dire parce que voilà, le jeu se lance. And she was young, but it was chalked up to being an ordinary case of dementia. Donc que dire, en 2006, le jeu until 20 years later a eu un award au niveau de AGS, des AGS Awards, donc des récompenses pour les jeux faits avec Adventure Game Studio. Donc il avait eu, je crois, celui du des meilleurs graphismes type VGA ou une connerie comme ça. Je sais plus trop l'intitulé, mais voilà, il a eu un truc pour so what should I pour ses graphismes, right now, qui voilà, sont, rappellent beaucoup l'époque VGA. No graphiquement, il est très, très proche des jeux des années 90. You couldn't find any other link between the two cases. None, aside from the family connection. And a name. A name? What name? The documentation we had on your grandmother is minimal, but there was one interesting item noted. During her lucid moments, she uttered the name Joey. Your aunt, too, would cry out that name on occasion. Voilà, et là, il vient de dire qu'il y avait un lien entre la maladie de sa grand-mère et de sa tante, parce que les deux prononçaient dans leur folie le nom de Joey. As the next of kin, you're the beneficiary. Donc du coup, on se pose la question, mais qui est ce Joey? It's being sent to your address via messenger. D'accord. Et là, il nous a envoyé son dossier et tout par courrier. Donc du coup, ça sera dans notre boîte aux lettres. Feel free to drop in anytime. I'm always happy to discuss my favorite patient. Sure. Alors, en gros, là, il l'invite à revenir. Ouais, j'aime bien discuter de mes patients favoris, alors qu'il parle d'une meuf qui était dans un état catatonique depuis 20 ans. Je vois pas trop ce qu'il y a de... Bon, voilà, comme il dit au début, c'était un cas intéressant. Donc lui, il a fait sa thèse et tout dessus, il est content. Donc du coup, on va essayer d'aller trouver Nishanti Sharma pour pouvoir rentrer chez nous, du coup, vu qu'elle doit prouver notre identité. Although the dog park is empty, I wonder why. Voilà, et là, fait intéressant, elle vient de remarquer que le parc à chiens était fermé, du moins était vide, ce qui est totalement pas normal. Please note, dog walking park is closed until further notice. Et on découvrira pourquoi plus tard. Donc, on va aller chercher Nishanti. Now I'm getting a stress headache. I need to get home. Donc voilà, là elle vient de ressentir une douleur à la tête. Donc en parlant d'un mal de crâne causé par le stress. Donc là on a un chien. Non, je veux pas libérer le chien. That's her. I recognize her from my building. Nishanti Sharma, was it? This is gonna be awkward. Donc voilà, première phase réelle du jeu en termes de point and click. On a donc Nishanti qui est ici. Excuse. Et qui joue de la flûte devant des passants. They're all staring. Qui. Qui ont l'air super contents, quoi.
Regardez-moi toute cette ce dynamisme. All right, here I go. Donc voilà. No. Donc Rosa est extrêmement timide. A d'énormes soucis de self-confidence, de confiance en soi. Right. Et donc s'adresser à une foule ou à des gens qu'elle connaît pas, c'est extrêmement dur pour elle. Donc on retrouve des personnages intéressants malgré tout. Donc du coup, pour la faire venir, on va utiliser son chien, qui, on remarque, nous suit partout avec sa laisse. Donc du coup, quoi de mieux que de jouer un tour de camp au chien en le faisant s'accrocher autour du poteau. Je peux vous dire que la première fois, l'idée est pas évidente. Oh, for heaven's sake. Don't worry, Moti, I'm coming. Voilà, comme toutes les vieilles dames, elle est très attachée à son chien. Et on ne dira pas pour quelle raison. I can't take you anywhere, can I? Oh, it's you. The lady next door. Yeah, hi. Voilà, moi je connais personne, mais elle, heureusement, elle me connaît. No, Rosangela. Well, Rosangela. I hope my friend here hasn't been giving you any trouble. Donc, on va aller très vite en lui disant que voilà, on veut pas me laisser rentrer, j'ai besoin de toi. I'm not sure why. That's because he recognizes you. Bon, on n'est pas là pour tricoter. Friendly, right, Moti? Just being friendly, hmm? See? Right. Anyway, I don't think we've formally met. I'm Nishanti. Rosangela. So you said. Oh, right. Yes. I have a strange favor to Une hindoue dans une ville urbaine. Go ahead and ask. Alors, on est en New York. Et New York est quand même un très très gros melting pot. Yeah, that's the problem, see. Donc trouver une indienne en tenue en tenue traditionnelle qui joue de la flûte sur une place, je pense pas que ça soit impossible. On a bien des Péruviens qui jouent de la flûte de Pan, nous. Donc pourquoi pas. Mais pourquoi le chien a aboyé? Et toujours ce mal de tête qui revient. Donc du coup, on l'a coupé dans sa... Hello, Jim. Je sais pas, c'est peut-être son travail de faire la manche en jouant de la flûte. Angela. She lives here. She does? Okay. Sorry about earlier. Had to be sure. Ouais, il nous a fait perdre toute notre après-midi. Donc on va lui en foutre plein la gueule. Fantastic. You're sorry. I am, lady. The name is Rosangela. Will you remember me now, or do I need to do a little dance as well? Hey, relax. I'm just doing my job. Never mind. Just get out of my way. Allez, vas-y, dégage. Laisse-moi rentrer chez moi. Well, sale jeune, va. Yes. Finally. That stupid kid. Well, perhaps. But try not to be so hard on him. We're all neighbors after all. Yeah, I guess. Looks like somebody is hungry. I'd best get this spoiled puppy fed. Feel free to drop in anytime you want. Voilà, donc elle nous invite, pareil, comme l'autre, à venir la voir quand je veux. Donc on va être poli, parce que on est très poli. I know we New Yorkers don't usually talk to our neighbors, but who cares? The city can be a lonely place, especially when you live alone. I've got Moti. Who do you have? J'ai un ordinateur. On va essayer de faire une blague. Oh, I have three great roommates. J'ai trois colocataires. Moi et moi. Lol. It's a joke. Yeah, I get it. Funny. Very funny. Elle a l'air super convaincue. Ah ouais, c'est drôle. Aha. Well, let's just say the offer stands. Sure. You go home now. We'll see each other soon, Rosangela, I'm sure. Hey. Yes? You can call me Rosa, if you like. Rosangela's kind of a mouthful, you know? All right, Rosa. You have a good day now. J'aime la façon dont elle dit. What a... You have a good day now.
Bon, du genre, bon, laisse-moi tranquille maintenant, ça suffit. Donc, voici l'appart de Oh, Rosa, thank God. I've qui never been évolue so quelque happy to see peu 500 au fil square de feet la in my série, life. notamment par ses graphismes. Tout cas, j'aime beaucoup la musique ici. Donc, on peut examiner plusieurs choses, notamment les photos. It's a photograph of Auntie Lauren and me. Donc voilà, ici on a donc la photo de la tante Lorraine, de Rosa, et puis là c'est exactement l'endroit où elle a déversé ses cendres sur le pont de, je sais pas quel pont, de Brooklyn peut-être. Ce serait cohérent. They're fine where they are. Si, il y a son tableau, sa télécommande, sa télé qui marche pas. Hop, et l'enveloppe que le psy nous a envoyée. Ok, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Donc on va l'ouvrir. Alors, ici en fait on a. Je vais pas tout vous lire parce que c'est chiant. Mais on a tout un jeu de lettres daté des années 60, du début des années 60. Entre. Donc. Entre Lorraine et sa famille. Voilà. Donc là, c'est une lettre de sa mère qui lui dit que. Ben, c'est quand elle est rentrée à la fac et tout, blabla. Après, on a des lettres de Jack, donc Jack qui est le frère de Lorraine, donc le père de Rosa, qui lui envoie beaucoup de lettres pour savoir comment elle va et lui dire que voilà, sa mère au fil du temps devient de plus en plus instable et que ça serait bien si elle pouvait venir les voir, mais elle a toujours refusé. Puis il continue à lui dire que voilà, plus tard, bon, sa mère est morte et sa sœur s'éloigne de plus en plus. Et du coup, il invite plusieurs fois pour Noël et tout, puis à son mariage, puis à la naissance de Rosa, et puis tout ça. Jusque. There are some pictures stuck to the back of this letter. Voilà, il y a une photo. Voilà, jusqu'au moment où on a. Voilà, une lettre d'un bureau, d'un cabinet d'avocat qui lui dit qu'elle va devoir prendre. Sa nièce à charge, parce que les parents, donc Jack et sa femme, dont j'ai oublié le nom, Maria, voilà, sont décédés, et puis voilà. Donc John Durkin, c'est un nom que je crois qu'on revoit plus tard, ou dont on a besoin, je sais plus. Alors, on va déplacer ça. Ici, comme je disais, on a sorti une photo du dossier. Donc, petite photo de famille avec Lorraine, Patricia, la mère, et Jack, le père de Rosa. Donc, le téléphone sonne, on Hello, décroche. Rosangelina. Hi. Hi, Bob. Thanks so much for submitting your last review on time. Donc, c'est son employeur, donc Yeah. le rédacteur en Got a chef de little assignment for The you. Village A, Assignment? Human interest, Blackwell. Suicide. qui l'appelle College girl named pour Joanne faire Brooks. un article Sounds sur awful, une but étudiante you know qui s'est the Brittany suicidée. House, the NYU dorm? Yes, but speak to some people on her floor. Get a word in with the roommate. Listen. Speak to the Alors que owner. d'habitude, elle fait de la critique She's the littéraire, donc forfeit ça n'a for the absolument rien building. à voir. But I don't do that stuff. I write book reviews. Versatility. Time to get out of your comfort zone. Jeremy's over at City Hall covering that strike, so you are it. Get cracking. Donc voilà, il nous laisse pas le So choix, c'est. Is Allez, va freelancing with that bosser stupid feignante. paper even worth De it? toute façon, I t'as guess besoin it works for d'argent. writing, but oh, Donc tu te démerdes. whatever. I'll just go over there and get it done. It's not like I don't have enough death in my life right now. Maybe this isn't a bad thing. It's like being a real reporter, sort of. My old notepad should come in handy for this. Donc là, on va rentre en scène le carnet de notes, donc le notebook, qui est un objet très important dans le jeu, étant donné que tout le gameplay, oui, quasiment tout le gameplay du des pas des énigmes, mais du des enquêtes, va-t-on dire,
se cantonne, se résume, se concentre sur ce notebook. Donc en fait, pour utiliser le notebook, il faut, on a des thèmes qu'on doit relier les uns aux autres pour créer des liens et faire avancer en fait l'enquête. Donc par exemple, là on a, voilà, Joanne suicide, on peut mettre ça. Voilà, mais là il n'y a pas de connexion, donc elle sort une phrase bateau. Ah, peut-être qu'il y a une connexion, mais je la vois pas. Donc pour l'instant, avec ces trois mots, on peut rien avoir. On peut faire ça dans le monde, mais ça sert à rien. All I know about Joanne is that she was an NYU student who killed herself. Voilà. Et des fois, ces associations donc nous ouvrent d'autres petites recherches. Alors le premier est très très simpliste, il se cantonne que là-dessus. On a plusieurs éléments ensuite, parce que là je rentre, parce que voilà, je voulais vous montrer l'ordinateur. On peut, grâce à l'ordinateur, faire des recherches, voilà, sur différents trucs. Voilà, du coup on utilise Google et tout ça pour trouver des choses. Et je m'attendais à autre chose, non, en fait, mais c'est pas dans le premier, c'est pas comme ça. Parce qu'on se retrouve dans les autres jeux, en fait, avec un système, avec une page de recherche, genre Google, où on peut directement taper des trucs pour essayer de les trouver. Puis, dans les derniers, on a carrément un smartphone qui remplace le carnet de notes, l'ordinateur, voilà, la technologie, quoi. Alors, du coup, on va, ici, voilà, donc il y a le dortoir de l'université qui est apparu. Toujours des maux de tête. I feel like hell and I have to interview college kids. Hopefully this won't take too long. Donc on a différents voilà, bon. Là il y a les portes. Le truc c'est de parler à des gens pour savoir avoir des infos, donc on enquête sur le suicide d'une étudiante. Donc voilà, présentation journaliste d'un journaliste. Alors on peut soit se présenter, s'annoncer, soit mettre en avant nos créditeurs. Non, pas créditeurs, nos credentials, justement. J'ai aucune idée de comment on peut traduire ça. Oh. This is about Joanne, isn't it? You know her? Well, I am the RA for this floor. I wouldn't be doing my job if I didn't know everybody. The campus police found her around 5 a.m. this morning. Can you tell me about her? Hmm. Well, all right. But could you leave my name out of it? Voilà, alors lui, le seul truc qu'il veut, c'est que son nom ne soit pas cité dans l'article. That shouldn't be a problem. Good. Donc on lui dit oui, ça lui fait plaisir. Alors voilà, donc le carnet de notes qui apparaît, et on peut poser des questions sur différentes choses. Donc voilà, là on lui demande des infos sur Joanne, il nous dit qu'il la connaissait pas bien, mais que personne s'est jamais plaint d'elle, qu'elle avait quelques amis, voilà. Typiquement les mots de quelqu'un qui la connaît pas. Can you tell me anything about Joanne? She jumped off the roof. She died instantly. It was in the middle of the night. There was no way anybody could have stopped her. Make sure you print that. Alors on va lui demander s'il a une photo de Joanne. No. Why would I? Just asking. Parce qu'il nous en faut une pour l'article, parce qu'on est un putain de journaliste voyeur. What do you mean? Well, it's a girl's floor and you, well, aren't. Voilà, là on est à un étage avec que des filles et lui c'est un mec, donc on lui demande pourquoi et ils ont cru que Adrienne, eh ben, c'était un nom de meuf. They seem to prefer it. This sort of thing happens quite frequently. You'd be surprised. Donc voilà, il a rien de très intéressant à dire. Donc on va aller à la chambre de Joanne pour parler à sa coloc. Je sais plus où c'est là.
I'm Rosangela Blackwell. With donc sa coloc qui s'appelle Kelly. The Village Eye, the newspaper. I've never heard of it. Qui ne punk en tongs. Oui, elle porte des tongs. It's for sale in the stand just outside your dorm. You must have seen it. Well, I haven't. What do you want? I'd like to talk to you about your roommate, if that's all right. Jesus Christ. I'm busy with midterms. I told the campus police everything. Do you have to bother me? Look. So she killed herself. Big whoop. Why is that my problem? Voilà, elle, elle a un peu rien à foutre. Elle en a marre qu'on lui pose des questions. I understand that this must be a difficult time for you. Elle essaye juste de passer ses examens et on vient lui casser les couilles avec sa coloc qui s'est suicidée. Sérieux. It must have been hard living with someone you don't like. What? You're psychoanalyzing me now? What the hell do you know about it? You're really starting to piss me off. Sorry. Whatever. Donc voilà, on va être honnête avec elle histoire qu'elle nous réponde. Et on va essayer d'avoir une photo histoire de boucler cet article très rapidement. Voilà, elle nous dit qu'elle était stressée, donc elle a sauté. Nope, same old Joanne. Studied at her desk all day and slept all night, as usual. Quiet as a little mouse. Voilà, l'étudiante modèle en somme. Donc on va lui poser les questions. No. Voilà, est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire à propos de Joanne? Non. Pourquoi elle serait tuée? Non plus. Est-ce que t'as une photo? Ouais, c'est un peu déplacé. T'as une photo de la morte? Can you tell me a little bit about yourself? Why do you want to know? Just background info for the paper. I don't think so. Suit yourself. Joanne never had trouble sleeping. How would I know? You lived with her. Like I pay attention. Elle est pas très coopérative. So, whatever. Bon, voilà. Thanks for helping out. Whatever. Alors voilà, à partir de là, on peut combiner des trucs. Donc par exemple, elle dort toute la journée, elle étudie le jour. Maybe there's a connection, but I can't see it. Et non. Adrian lives a few doors down from Joanne in the NYU dorm. He's the resident assistant for the floor. Oui, voilà, ça non plus, ça sert à rien. Joanne seemed to be a hard-working student. Maybe the pressure got to her. Voilà, est-ce la pression? Ew, there's gum stuck to the faucet. I'm not touching that. Oh, on peut même pas boire, il y a un chewing-gum. Alors là, en fait, je le précise parce que la première fois, j'ai beaucoup tourné. Parce qu'en fait, j'avais pas remarqué la porte là et qu'on pouvait lui parler à lui. Et la deuxième fois, il faut venir lui reparler. Je crois que j'ai fait 25 fois le tour de la ville avant de me dire « Tiens, il sert peut-être à quelque chose. » Voilà, apparemment, elle dormait toute la nuit, donc... on va lui demander s'il a vu quelque chose, en gros. Her roommate, Kelly, never complained, but that's not surprising. Why is that? Well, Kelly rarely spent the night in her room. She only voilà, et là on apprend donc que Kelly n'a pas dormi ici. Contrairement à ce qu'elle a dit. Donc elle est pas très honnête. Well, that's all for now. Thanks for helping out. Just remember, leave my name out of it. Bon, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas le... C'est vraiment le début du jeu qui est assez, assez long. Et c'est dommage parce que l'idée qui s'ensuit est très très bonne. Mais je voudrais pas vous spoiler en vous la balançant froidement comme ça. Donc j'essaye d'avancer au plus vite pour vous montrer ce qui s'ensuit. Vous pouvez apprécier les musiques en attendant parce qu'elles sont vraiment super cool.
So, you've been sleeping somewhere else lately. Yeah, I've been at my boyfriend's. You've been following me or something? No, no. Just confirming the information. Looks like Adrian's been talking. Donc voilà, elle nous a menti, donc on lui demande une photo en compensation, en gros. That we could use for the newspaper? You want a what? Just a photograph. You'll get it right back. Yeah, right. Salut, Dead Hunter. You think I'm giving you anything? Think again. Think again. So, you've been sleeping somewhere else lately? Yeah, I've been at my boyfriend's. You've been following me or something? No, no. Just confirming the information. Looks like Adrian's been talking. Hmm. Joanne never had trouble sleeping. How would I? You lived with her. Like I pay attention. Thanks for helping. J'ai dû sauter un truc. Yeah, sure, whatever. Et salut, c'est Jules. Alors, j'ai loupé quoi? Tac, tac. Wait a minute. Elle m'a grave pris pour une conne là. How did she know if her roommate was sleeping well or not? Hmm. I think Kelly was lying to me. Et encore un de ces personnages qui se parle lui-même à voix haute dans un couloir comme ça alors qu'il y a personne. Your RA told me that you haven't been sleeping in your dorm. Yes, so. Ce qui fait d'ailleurs partie quelque part du gameplay après. Mais bien sûr, je vais pas encore spoiler. On va attendre d'y arriver. I just assumed. Did you lie to me? I didn't lie. I just... Oh, screw it. You wanna talk? Fine. What do you wanna know? Bah, moi, je veux juste une photo. Vas-y, file-moi une photo de la morte. All right. Just a sec. This was hers. It was on her desk. She won't be needing it anymore. Joanne's the girl on the left. Thanks. Donc voilà, on récupère la photo donc de Joanne et de ses deux copines. Donc ça c'est Joanne et ça c'est ses copines. I don't want to ruin the picture. According to Kelly, this girl on the left is Joanne. I assume that this is a friend of Joanne, but I have no idea who she is. I assume that this is a friend of Joanne, but I have no idea who she is. Donc on a notre photo pour notre article, donc c'est génial. Donc voilà, on a notre photo, on a nos idées. Donc on va tout bêtement aller écrire notre article et puis aller au lit parce qu'elle a la tête qui va exploser si elle continue. This is getting bad. Oh my god, this really hurts. Sleep, that's all I need. I'll just type up the story and get to bed. Shouldn't take that long. Voilà, on va boucler l'article. Allez, c'est parti. Done. Article's finished, picture is scanned, and I am done for the day. Et attention! No. What's... Et que se passe-t-il? Fresh air. I've got to get out of here. On a vu que la photographie a clignoté. It's a photograph of Auntie Lauren and me. Mais pourquoi donc? Donc on va aller prendre l'air frais, donc on va aller... On va descendre au parc. Non, pas au parc. Non, non. La photo clignote, j'inspecte la photo, et normalement c'est là que... I don't need to bother. Nah-huh. It's a photograph of Auntie Lauren and me. Oui. No. Bon, on va cliquer dessus. I used to talk to this picture when I was a little girl, but not anymore. Auntie Lauren, she took care of me after my parents died.
For most of my life, Auntie Lauren was a vegetable, slowly rotting away in a hospital bed. Voilà, c'était donc un légume qui était gentiment en train de, du moins lentement en train de pourrir à l'hôpital. C'est sympa comme façon de décrire sa tante. I don't remember when this picture was taken, but I look about 4 or 5 years old. It's a photograph of. No. I open those curtains and a dozen windows can look directly in here. Those curtains stay shut and prying eyes stay out. I wish I could go to bed, but I have work to do. I am just feeling so uninspired today. Maybe tomorrow I'll feel up to it. But today, it's just not happening. C'est quoi qui bloque là? Ah oui, j'ai pas regardé toutes les photos. Is that my dad? Donc ça, c'est le mariage de ses parents. I always pictured my dad as being older. I assume that's my mother. She sort of looks like me, I guess. Other than that, she's a total stranger. That's Et là, donc, Tante Lorraine, qui était présente au mariage, qui regarde, on sait pas vraiment où. That's definitely... She's looking at something off camera. I wonder what it was. What the fuck, c'est un homme. Qui est un homme? Ah oui, oui, c'est vrai qu'il est, qu'il a un physique très... pas très viril surtout. Mi-homme, mi-femme. Très androgyne. Puis ce choix de costume... I don't want to ruin the picture. It's a photograph of Auntie Lauren and me. Faut peut-être que j'aille voir le docteur pour lui dire que j'ai des migraines. Ah putain, le trou quoi, je sais plus ce qui se passe à ce moment-là. On va faire ça, c'est... Je sais pas quelle heure il est avec tout ça, mais... I'm here to see Dr. Quentin. Sure thing, you're cleared. Go right in. Pour lui dire, ouais, j'ai mal à la tête. Dr. Quentin? Oh, hello. Come in, come in. Do you know anything about headaches? It's hardly my specialty, but I know enough. Why? I've been getting them. Lots of them. Vous connaissez quelque chose en maux de tête? Ouf, pourquoi? Mais parce que j'ai des maux de tête. It varies. Génial. Over the counter pain medication, rest, that's all I'd suggest. Thanks. Bah, tout ça pour nous dire qu'il faut se reposer. Very well. Goodbye, Miss Blackwell. Donc je sais pas vraiment si c'est ce qu'il fallait faire du coup. Mais je croyais qu'on écrivait l'article et qu'il se passait un truc. On va faire chier les voisins. Alors. Hello Rosa, come in, come in. Don't mind the pooch, he's harmless. Here boy. Hi,
dog. His name is Moti. Right. Salut, Moti. Chien. See ya. I was just, you know, in the neighborhood. So lol. Elle est drôle quand même. Sure, sure. Oh, j'étais dans le voisinage, je me suis dit, bon. Thanks again for helping me out earlier. I'd probably be sleeping in a hotel tonight. Putain, je suis envahi par les moustiques. Oh, didn't you hear? Mais ça n'a rien à voir. Really? It only lasted a few hours according to the report on the radio. I suppose that's irony. I suppose so. Well, donc bon, on n'est pas là pour discuter. Thank you, Rosa. Come back whenever you'd like. Allez, déclenche-moi cet événement méga cool du jeu, du moins méga important. J'ai tout fait pourtant, j'ai rien oublié. I wish I could go to bed, but I have work to do. De quoi t'as du work to do? Mais non, pas de travail. According to Kelly, this girl on the left is Joanne. I assume that... I assume... I have nobody to call. There's nothing in the... My window, with the curtains... It's a photograph of Auntie Lauren and me. It's a photograph of Auntie Lauren and me. Mais alors là je ne comprends plus. I wish I could go to bed. J'ai loupé un truc. Personne pour m'aider. Qui a fait le jeu? Qui se souvient de ce qui peut manquer? Là, j'ai rien à faire. Mais non, mais je peux pas me perdre là, quoi. C'est pas possible. Ah, la photo, elle clignote. I am just, maybe to, but today it's just not. Non, elle veut pas écrire, ça, on a compris. C'est pas l'heure. Ouais, c'est une photo de ma tante Lorraine et moi. It's a photo. It's a photograph of... I don't want... What the fuck? S'il vous plaît, de l'aide. Tum.
Alors, j'ai fait ça, je suis arrivé là. Normalement, là, il se passe un truc. D'accord. C'est bien ça, il y a un dialogue important. Du moins important. Come in. Il y a une phrase qui sert de trigger. Hello, come in. Don't mind. Alors. I was just... Oui, voilà, ça tu l'as dit. Donc voilà, on va lui parler. Bon, on va remercier tout à l'heure. Voilà, donc on va lui parler de tout et mais il y a une phrase qui sert de trigger en fait. Ouais, du. J'ai du mal à jouer du kazoo. Non, mais elle est drôle. Franchement. J'essaye d'être un écrivain. Nothing really, aside from book reviews in the Village Eye. Oui, je suis une écrivain raté, et puis voilà. Paper they sell at the stand. You've read it? I've seen it around, but I've never actually read it. Perhaps I will the next time I see it. Ouais, ah, vous écrivez pour le journal, ouais, vous le lisez, non? That dog ah. Is adorable. Monty, he's spoiled rotten, but he's good company. He's taken quite a shine to mais you. Mais pour y gâter, en même temps, c'est ton chien. Yeah, usually I'm not good with animals. You never had a childhood pet? A pet? No, I had a teddy bear. Donc voilà, elles se racontent un peu leur vie. Moti's a little thing, but you wouldn't know it from the amount he eats. Elle adore son chien. Active, it seems. Yes, that probably explains it. See that box of biscuits? I buy a new one every 2 days. Moti doesn't. Voilà, il bouffe des biscuits. That sucks in food. Feel free to give him one if you like. Bon, ça va, il se porte bien. Why do you play the flute in the park? It's a place to go, I suppose. I was walking there one day, and I had the bansuri with me, so I started playing. Next thing I knew, I had a bunch of people around me. So I go there as often as I can now. It gets me out of this stuffy apartment. And I admit, I like the attention. Plus, Moti voilà. Loves the dog run there. C'est même pas pour faire la manche qu'elle va jouer de la flûte dans le parc, c'est juste pour que... pour qu'on la remarque, pour se faire remarquer, voilà. Why did they close down the dog run? It seemed okay to me. Donc voilà, en fait, il fallait lui parler de la promenade des chiens, du moins du petit parc pour les chiens, pour déclencher les événements qui suivent. Voilà, apparemment, il y aurait une haute fréquence qui dérange les chiens et qui a tendance à les rendre un peu foufou. Donc du coup, ils l'ont fermé, en attendant de régler le problème. It's not a high-pitched noise. That would only cause a dog pain. This was more than pain. The dogs were... Voilà, ça effraie les chiens. Donc elle, son hypothèse, c'est que c'est un truc dans l'air. C'est pas une haute fréquence, parce que... You sensed it. Don't think I didn't notice. I didn't sense anything. Well, perhaps. Maybe I'm just spouting nonsense. Voilà. Avant de partir, on va donner un biscuit au chien, parce que... Here, take one. I have plenty. Go ahead and feed him. He's always hungry. Parce qu'il est sympa, quoi. Well, I'd better go. Take care, Rosa. Come back whenever you'd like. Come on, boy. What do I do now? Just say, go get it. He'll do the rest. Go get it. Ah, non, non, non. Bien dressé, ce chien. Sont tous les chiens sont super bien dressés quand il s'agit de bouffer. Someone wants a treat, eh? Go get it. Putain. Avec ce traitement-là, j'aimerais bien être un chien moi aussi. Donc voilà, donc là, il va se passer un truc. What?
is happening? Ah. Avec un bruit qui fait peur. It's gone. Ah, ben c'est parti. It's gone. Elle a plus mal. It was strange. It was like... Voilà, donc la photo brille. What is that? Et qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Something is different. Bon, rien. I almost don't want to look, but... Oh! Un mec bleu qui apparaît. No, no, no. I did not just see that. I am not going crazy. No, it's just the voilà, donc elle voit un espèce de... Du moins, un fantôme apparaître sur la photo et déjà elle se dit « Oh non, je veux pas devenir folle. » Donc avec ce que lui a dit le docteur, elle pense qu'elle sombre déjà dans la folie. Et voilà, on fait donc... Bon, elle est tombée dans les pommes. On fait donc connaissance avec le deuxième personnage principal du jeu. Et j'aime beaucoup sa réplique. Pourquoi ils font toujours tout ça? Alors Griff, c'est l'ours en peluche. Donc il parle à l'ours en peluche parce qu'il le connaît bien. Il connaît depuis 25 ans. Always sleeping. You're always sleeping, and I'm always watching. Yep, that's me, the eternal chump. Mmm. It's about time. Hey, nap time, Nelly. Wake up. What? Shall we try this again? No. Now that's not very polite. Go away. I'm afraid I can't do that, darling. Believe me, I've tried. No, you don't exist. Oh, yes, I do. Look at me. This is not happening. This is not happening. Oh, brother. I am not going insane. There is nothing there. Could you? No. I am not my aunt. I am not my grandmother. I am not going to end up... Voilà, elle pense qu'elle devient folle. En même temps, tu vois un fantôme comme ça du jour au lendemain. There's nothing there. Could you? Shut up. Te dis, ça y est, ça y est. No. C'est la folie, mon cerveau fond. And you're gonna listen good. I've been watching you all day, sweetheart. You know who I am. No. Yes. I'm not going away, so there'd be no point in beating around the bush. Now say my name. No. Dis mon nom. Damn you, you know my name, now say it. You're... Yes. You're Joey? Donc voilà, on fait connaissance avec Joey. Donc Joey, de son vrai nom, Joseph Malone. Don't worry. Qui sera notre sidekick. You really exist. Oh yes. Ouais. Notre acolyte, devrais-je dire, notre compère. Donc dans le métier qui va, du moins le métier, la tâche qui va s'offrir à Rosa, what? Qui est donc, legacy, je sais pas comment ça se traduit, mais the best tower of eternity. Donc, à la façon d'une, un peu comme dans la série Ghost Whisperer, où Rosa devra donc guider des fantômes vers la lumière. Mais sans réelle notion religieuse comme on peut l'avoir dans le comme on peut l'avoir dans la série que je viens de citer. Mais voilà, donc avec l'aide de ce fantôme, elle va devenir donc une sorte de médium et mener des enquêtes pour aider ces esprits errants. A gift? You're a medium. A medium with a direct connection with the spirit world. And I, my dear, have the unique pleasure of being that connection. I don't... Voilà, en fait, ce fantôme sert de guide et de connexion vers le monde des esprits, en gros. Your grandmother never really caught on. That's probably why... Donc voilà, là, il explique que sa grand-mère, elle a toujours refusé, donc... Elle croyait vraiment être folle. Elle n'a jamais accepté son existence, c'est pour ça qu'à 25 ans,
You felt sick. Elle a sombré. I've been feeling sick all day. Et du coup, sa tante qui est arrivée jusqu'à 40 ans, on peut se dire qu'elle a quand même fait un bout de chemin avec elle, avec lui, pardon. You mean the dog run? Yeah, that's where we've got to go. What, right now? Yep, the sooner the better. But it's the middle of the night. Là, on est en plein milieu de la nuit, il nous dit d'aller régler le problème de la promenade des chiens. Well, that's where you're wrong. If there's any reason behind this medium business, it's to take care of them. Donc ce qui sera la première mission. And we have to take care of them soon. Son premier travail. This is all too much. En tant que médium. Sorry, kiddo, we gotta go now. What's the hurry? Let me put it another way. Do you want to end up like your aunt and grandmother? Was that because of you? Did you do that? Not me, kid, not me. I didn't make him that way, and I don't know what did. But do you really want to sit around here and find out? Donc le personnage sera toujours très... Let's go. That's the spirit. Très brumeux autour du sujet de sa tante et de sa grand-mère. After you. Et autour de lui-même aussi. That was strange. Everybody just ignored you. Am I the only one who can see you? Yep. And au fil des jeux, donc voilà, comme je dis, il y en a 5. On aura nos réponses. I don't see anything. Can we go? Come on, this way. Et ça a vraiment été un... Ah, ça a été le petit coup de cœur de l'été quand même, parce que le scénario est vraiment sympa, le jeu se construit très bien. Il y a seulement dans le... Dans le troisième, donc The Blackwell Convergence, où ils ont abandonné, mais juste l'espace d'un épisode, ils ont abandonné le fait de lier les indices dans le carnet. Ce qui rend le jeu un peu plus simple, du coup. Ça diminue un peu l'intérêt. Ah. I'm a bit out of practice. How should I handle this? Voilà, donc là en fait, on parle à la place de Joey. Donc voilà, il y a un fantôme donc hier dans la promenade. Donc une jeune fille blonde. C'est pour ça que les chiens sont effrayés. Et pour éviter le contact, voilà, pour un premier contact, c'est lui qui s'approche. Hey, don't be like that. If there's one thing I hate. Donc voilà, sa tenue, c'est typiquement le mec qui a vécu dans les années, je sais pas, 30, 50, je crois que c'est les années 30, ce genre de style. Donc le mec macho, très charmeur. Leaving so soon? I thought we were getting along. They all run. So hard to hold on. It's me. They won't stop. We're here to help you. Help? Donc voilà, les morts, quand ils sont morts, avant de pouvoir les guider, c'est là que reposent toutes les énigmes en fait. Avant de pouvoir les guider vers la lumière, on va dire, il faut d'abord leur faire comprendre qu'ils sont morts. Got into our head and poisoned us. Whatever happened, darling, it's over. You do know that, don't you? No. I'm poisoned. Stay away or I'll poison you. Run. Donc pour éviter les spoils sur le jeu et sur l'histoire, parce que voilà, si vous êtes intéressé, c'est bien de commencer par le premier. Je vais arrêter. Yeah, keep talking like that, sister. Ici, pour celui-ci, mais par contre, je vais vous montrer le. Yeah. Je sais pas. Who? You're him. Now look. Un petit, juste le début, juste pour l'interface, vous montrer les changements qu'il y a eu. Donc, je sais pas, sur l'avant-dernier ou le dernier. All right. We're going. Look, just sit tight. We'll figure this out. And we'll be back. Juste pour l'interface. Friggin' ghosts. Can't get a straightforward answer out of any of them. Je voudrais pas gâcher la surprise du 2. What just happened is we've got an unstable spirit on our hands, haunting that dog park over there.
Et peut-être même du 4. Du 5. That's the reason. There's a ghost haunting the dog park. That's what I said. A ghost. Sure. What am I doing here? I told. No, I. Donc voilà. Donc. Hey, wait. Je vais arrêter ici celui-ci. Et je vais juste vous montrer un petit bout du. D'un autre jeu plus loin. Donc on va dire. On va dire celui-ci. Alors juste un petit truc. Donc là on est sur le. Sur le quatrième jeu de la série. Donc, le compositeur a changé, étant donné que maintenant c'est Thomas Rennin, et également la personne qui travaillait sur les assets, donc sur les dessins, le décor et... Par contre, ouais. Hop. Donc la personne qui travaillait sur les assets, ça a aussi changé. Et sur celui-ci, c'est très flagrant, c'est le seul de la série qui a ce style graphique. J'espère que je me trompe pas de jeu, parce que sinon je vais avoir l'air très con quand je vais le lancer. Hop, on spoil pas. Voilà, donc il a un style assez différent. On peut voir, on dirait qu'elle est toute fine, des proportions un peu plus cartoonesques, on va dire. Et donc voilà, pour les nouveautés en fait qu'il y a eu au long de la série, c'est juste pour vous montrer ça, parce que c'est ce qui fait aussi que le jeu est assez intéressant par la suite. C'est déjà, voilà, on a maintenant un téléphone, sur lequel on regroupe donc la boîte mail, qui permet des fois d'avoir des trucs, des infos ou quoi. Un truc de recherche, voilà, pour donc c'est Google, qui servira à faire des recherches sur des mots, sur des événements, des lieux qui se produisent, pour avoir des adresses, des numéros de téléphone, ce genre de choses. Et à la place donc du bloc-notes, ben on a un bloc-notes, mais sur le téléphone. Donc voilà, ici on aura les différents thèmes. Là, la description, et ici, voilà, quand on cliquerait... Quand on cliquera, ils se mettront là pour faire le lien entre différents trucs. Et autre changement qui apparaît celui-ci à partir du deuxième jeu, c'est la possibilité de switcher entre les personnages en fait. Donc voilà, là je joue Rosa. Et hop, si je clique là, je me retrouve avec Joey. Donc en tant que fantôme. Il a différents trucs, par exemple, il peut passer à travers les portes fermées. Il a, peut souffler sur les objets, histoire de les pousser, voilà, il a une petite présence quand même. Souffler sur les gens pour les mettre mal à l'aise, ou ce genre de choses. Bon, et sa cravate qui est un objet qui sert de lien. On la prend dans le premier, c'est... Voilà. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point là-dessus, sur les nouveautés, qui font que le jeu, en fait, le gameplay s'approfondit à partir du deuxième jeu, et surtout à partir de celui-là, du quatrième du coup, parce que dans le troisième, ils ont fait un petit pas en arrière, comme je vous l'ai expliqué, en enlevant ce système de lien entre les indices. Voilà, voilà. Donc du coup, moi je vais m'arrêter là pour éviter de complètement spoiler le jeu. Alors pour l'info, le premier jeu est à... Alors ils sont dispo sur Steam comme je l'ai dit. Bon, hors solde, c'est pas vraiment intéressant. Je vous l'avouerai. Parce que voilà, hors solde, on a donc le premier jeu qui est à 4,50€.
On a le bundle avec les 4 premiers jeux qui est à 18,99€, plus le dernier, Epiphany, à 14,99€, donc c'est vraiment pas intéressant. Pour info, le bundle, pendant les soldes ou en promo, descend facilement à 90%. Donc moi, il a dû être acheté à 2,20€. 2,20€, donc le bundle avec les 4 premiers, plus le dernier que j'ai dû payer 5€ à tout casser. Il est plus récent, donc les promos tombent moins vite. Donc voilà, pour moins de 10€, toute la série, moins de 10€, c'est largement valable. Après, au prix plein tarif, comme ça, non. Parce qu'il faut, faut avouer que les jeux sont... La notif Steam, pour... Il faut avouer que les jeux sont très courts. Du moins, très courts. Oui, si, ils sont assez courts. Je crois que le premier, avec la découverte et tout, j'ai mis 3-4 heures. Puis voilà, derrière, c'est... Le 2, par exemple, j'ai 5 heures de jeu. 8, 9... Sur le Convergence, justement, le troisième, comme je vous disais, qu'ils ont enlevé ce truc de lien qui rendait le jeu plus facile... J'ai à peine 3 heures de jeu dessus. Donc voilà, c'est des jeux qui sont relativement courts. La série en entier, il y en a pour une petite vingtaine d'heures, je dirais. Pour les 5 épisodes. Donc c'est assez correct. C'est un petit point and click, voilà, qui est indépendant. Qui adopte un style graphique VGA années 90, qui est pas dégueu. L'histoire est vraiment correcte. Du moins, elle est même très bien par très bien. Je sais pas, après, faut rester. Moi, j'ai adoré. Ensuite, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Seul bémol. Donc, c'est. Pour citer des défauts. C'est les dialogues. Les dialogues qui sont très. Qui sont. Pas forcément long, mais très passif. Voilà, ça parle, on n'a pas beaucoup de choix, mais ça parle. Et le fait que le jeu n'ait pas encore eu de sa localisation en français. Donc du coup, c'est tout en anglais, mais comme... bon, là, je me suis pas attardé sur les dialogues, j'ai pas traduit ni rien. Parce que, faut l'avouer, ça m'embête un peu. Mais voilà, c'est de l'anglais basique, c'est du niveau collège, ça c'est assez simple à comprendre. Il y a quelques mots des fois qui sont qui peuvent ne pas être très connus, mais on comprend très vite le sens même sans chercher. Et après voilà, thématique sur le spiritisme, la vie après la mort. On a une chronologie sur les jeux, donc les 5 jeux se suivent, avec un petit, une petite surprise, on va dire, pour le second jeu, qui m'a particulièrement plu, parce que voilà, on découvre une histoire. Par contre, voilà, les jeux sont à faire dans l'ordre. On peut pas en commencer un sans avoir fait celui d'avant. Sinon, on comprend que dalle. C'est vraiment une histoire qui se suit. On a des personnages qui reviennent d'un jeu à l'autre sans vraiment être signalés, donc c'est vraiment intéressant parfois. Voilà, un personnage, on en entend parler là, et hop, on le retrouve là sans qu'il y ait aucun lien de fait. C'est juste qu'il est là. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Personnellement, je vous le conseille. Et ouais, Mobo, t'as raison de te le faire prochainement. Voilà, de toute façon, il prend pas beaucoup de temps. Ça va assez vite, comme je dis.
Donc voilà, ben, j'ai plus rien à dire du coup. Donc je vais couper ici. Je vous remercie tous d'être passés, d'être venus, bien sûr, de m'avoir suivi. Donc c'est une reprise, on commence lentement. On essaiera d'avoir plus palpitant. Bon, bien sûr, palpitant et point and click, faut rester dans le relatif. Mais on essaiera d'avoir quelque chose de plus plus palpitant, dynamique, peut-être plus récent. Donc la semaine prochaine. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à faire les jeux que je vous présente, bien sûr, à chaque fois. Même si je le dis pas, c'est... Moi, mon but, c'est de partager et de vous dire, allez, laissez-vous tenter. Et du coup, ben, je vous souhaite une bonne soirée encore une fois, et je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau point and click. Bye!